Schtroumpfe-toi, on est en retard. Oh, pourvu qu'il n'ait pas Schtroumpfé sans nous. Allez, on y va. Où est-ce que vous étiez, Schtroumpfé? Vous voulez pas un cadeau? Bon, mais alors, dans ce cas-là, j'ai quand même pas passé une bonne occasion de rigoler. J'ai hâte d'entendre la nouvelle Schtroumpfonie en lutte du grand Schtroumpf. Oh, je suis sûr que ce sera une œuvre maîtresse. Si c'est de la tarte, moi j'en veux deux. Mais non, de la musique, réfléchis un peu. Allons, Schtroumpf costaud, la musique, elle aussi les Schtroumpfs. Et moi, je vais lui schtroumpfer quelque chose s'il continue. Et maintenant, une Schtroumpfonie en lutte. Attention, 1, 2, 3, 4. Arrête, ça ne va pas. Vous n'aimez pas mon interprétation? Eh bien, en fait, on ne peut pas schtroumpfer la Schtroumpfonie en lutte avec un seul interprète. Il me faut d'autres musiciens. Mais nous, on veut bien, grand Schtroumpf. Nous n'avons pas d'autres instruments. Eh bien, schtroumpfez-en. Rien, toujours rien. Voilà des années que j'explore la forêt en vain. Je n'arrive pas à retrouver le village de ces affreux petits schtroumpfs. Mais j'y arriverai un jour, tu entends, Azrael? Azrael! Azrael, descends tout de suite, nous avons du travail. Schtroumpf gourmand, pourquoi tu ne te fabriques pas un instrument? Je ne fabrique une marmite tambour. Il faut d'abord que je vide la marmite. Attention les Schtroumpfs, vous êtes prêts? Nous sommes prêts, grand Schtroumpf. Alors, 1, 2, 3 et 4. Oh, Schtroumpf, ils ont commencé à schtroumpfer sans moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je crois que tu as schtroumpfé une fausse note, vois-tu? Qui, moi? Allons, ce n'est pas grave. Re-schtroumpfons le mouvement. 1, 2, 3 et 4. Quoi encore? Mais ton instrument est peut-être mal schtroumpfé. Ah oui, je vais essayer. Non, il schtroumpfe bien. Oui, évidemment. Il pourrait peut-être jouer d'un autre instrument. Ah bah oui, essaye ça. Oh, une harpe? Il n'y a qu'une solution, c'est le triangle. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Le Schtroumpf musicien joue faux. Il pourrait peut-être diriger la fanfare, grand Schtroumpf. Bah oui, on peut toujours essayer. 1, 2, 3 et 4. C'est pas juste. Ils sont jaloux parce que je trompe mieux qu'eux. Et puis je trompe après tout. Puis puisque c'est comme ça, je tromperai pour moi tout seul. Voilà. Mais quel est cet air affreux? On dirait le rugissement d'un dragon blessé à mort ou le hurlement de rage d'un hippogriffe. C'est un schtroumpf! Quand je pense qu'ils osent dire que je schtroumpfe faux, ils schtroumpferont un jour de m'avoir chassé de la fanfare. Je crois que je tiens ma vengeance. Mais s'il faut faire vite! Je dois avoir tout ce qu'il me faut là-dedans. Et les schtroumpfs vont avoir une mauvaise surprise. Bon, eh bien, je ne changerai pas d'avis. Je rentre au village parce que j'ai faim. Ils pourront toujours me demander de schtroumpfer avec eux. Eh bien, moi, je leur dirai... Eh oui, tu leur diras, oui. Mais qui êtes-vous? Allons, ne crains rien. Je suis Aurore, la bonne... Oh, je déteste ce mot-là. La bonne fille. Dis-moi, quel est ton vœu le plus cher? Et je l'exaucerai. Je vais t'aider. Tu ne veux pas devenir mu. Comment? Allons, dis-le. Un musicien. Oh, mais c'est pas la peine. Les autres disent que je schtroumpfe faux. Oh, mais ils ne le diront plus. Je t'offre ce merveilleux turlusifon. Celui qui s'en sert joue juste. Oh, merci, madame la fée. Allons, va vite. Va étonner tes petits amis.
Je vais le suivre et je saurai où se trouve leur village. J'ai un nouvel instrument. Encore lui? Ah non, aïe aïe aïe. Moi j'aime pas l'ail. C'est un turlucifon. Ouvrez bien grand vos schtroumpfs. Attention. Qu'est-ce que vous schtroumpfez? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ne restez pas schtroumpfés comme ça. Oh grand schtroumpf, schtroumpfez grand schtroumpf. Hé hey! Ah mais c'est affreux. Il faut que je retrouve la bonne fée Aurore. Je suis là. C'est moi que tu cherches. Gargamel. L'heure de la vengeance a enfin sonné. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait aux schtroumpfs? Qui, moi? Mais rien, rien du tout. C'est toi qui les anéantis en jouant de ton turlucifon. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te supprimer. Oh. Il ne restera plus un seul schtroumpf sur la terre. Ah, je t'étonne, mais moi aussi, affreux moucheron, je sais nager. Tu peux courir, je t'aurai quand même. Tu ne peux pas m'échapper. J'ai eu tous tes petits amis et tu y passeras toi aussi. J'ai un caillou dans ma chaussure. Ah, je suis obligé de rater, j'ai un point de côté. Oh, une crampe à la jambe. Oh, il y a un torticolis. C'est des aigreurs, des estomacs. Je ne peux plus respirer. Je me trompe, belle. Maintenant, il faut retourner au village. Cet affreux Nabo en a lâchement profité pour se sauver. Oh, c'est pas grave. Il doit avoir regagné son village, mais maintenant je connais le chemin. C'est tout droit et je tourne à droite ici ou je tourne à gauche. Ah non, c'est à droite et puis à droite et puis à droite. Non, j'ai perdu mon chemin. Mais pourquoi on ne peut pas aller au village si on n'est pas guidé par un schtroumpf? C'est pas juste. S'il vous plaît, Schtroumpfette, réveillez-vous. Schtroumpf costaud, debout. Réveille-toi. Schtroumpf gourmand, regarde un gâteau à la crème. C'est à son Schtroumpf et les babines. Et, oh, rien à faire, rien de Schtroumpf. Et tout ça à cause de ces schtroumpferies de Turlucifon. Oh, mais au fait, si Gargamel a le secret du Turlucifon, il doit avoir la formule qui Schtroumpf l'enchantement. Je vais chez Gargamel, ne Schtroumpfez pas d'ici. Des choses trappes. Des cages, des collets, des feuilles empoisonnées. Je vais truffer la forêt de tant de pièges qu'il finira bien par se faire prendre. Alors ça, rien là. Attends une minute, arrête. Maintenant, il faut trouver le grimoire. Sale petit schtroumpf, cette fois, je te tiens! Non, pas encore, Gargamel. Je ne t'entends plus, mais je te vois très bien. Je vais t'écrabouiller, te platir, te massacrer, te réduire en bouillie. Tôt ou tard, tu finiras par t'essouffler. Et alors là, je me vengerai. Ah, oh, sapristi. Oh, que c'est haut. J'ai le vertige. Je perds l'équilibre. Alors, messire Gargamel, si on jouait un peu de musique. Non, grâce, pitié, je t'en supplie. Attention, 1, 2, 3, 4. Arrête, non, grâce, pitié. Je ne serai plus jamais méchant, je le jure. Et puis non, le grand schtroumpf dit toujours qu'on ne doit pas schtroumpfer un ennemi des schtroumpfés. Non. Ah! De l'utilisation des instruments de musique magique. Ah, voilà, le turlucifon. Oh non, il n'y a aucun remède connu. Schtroumpferie de turlucifon, hein? Oh.
Pauvre Schtroumpf, les voilà schtroumpfés à tout jamais. J'ai tout essayé. Je vais leur schtroumpfer un petit morceau de musique. Frère Schtroumpf, je vais vous schtroumpfer l'élégie Schtroumpf. Oh, assez! Tu es réveillé? Et comment tu joues tellement faux que tu réveillerais un mort? Mais alors voilà le remède! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est schtroumpfé? C'est une longue, longue histoire, grand schtroumpf. Voilà, tout a commencé quand par un beau matin... Et Gargamel s'est fait passer pour une bonne fée? Oui! Schtroumpf musicien, on vous doit une fière chandelle. Une fois de plus, tout est schtroumpf qui finit schtroumpf. Nous allons pouvoir reprendre la répétition de la schtroumpfonie en lutte. Oh, chic, je pourrais schtroumpfer avec vous, hein? Ah, bah, c'est-à-dire... Oh, non. Vous allez me laisser schtroumpfer cette fois? C'est-à-dire que, n'est-ce pas, voilà... Bah, en réalité, Edouard... On peut pas lui refuser après ce qu'il a schtroumpfé pour nous, n'est-ce pas? Vous croyez pas? Grand schtroumpf, on pourrait peut-être lui... Bravo! Ça, c'est une idée schtroumpfante!